10h10, on se retrouve avec Dodo Info pour tester son débit internet. Je vous souhaite un bon visionnage. Donc voilà, on se retrouve pour tester le débit internet voilà, que j'ai trouvé sur Google. Alors j'ai essayé de chercher et tout, j'ai marqué speed, j'ai marqué test de la DSL, test du débit, test du ping. Et je suis tombé sur ce site qui s'appelle speedtest.com, enfin .fr. Alors, si vous l'URL, je vous le mettrai dans la description. Voilà, je mettrai le lien. Et là, après, vous allez tomber sur ce site et c'est très simple. C'est même pas du tout difficile. Tiens, à quoi ça sert ça? C'est pas du tout difficile. Voilà, et là, vous pouvez zoomer et dézoomer pour savoir votre emplacement où vous êtes. Vous voyez en bas et sur une carte, ça fait un peu futuriste. On voit sur une carte en bas où on est positionné sur la carte. Voilà, et là, il nous a localisé. Et là, on va faire démarrer le test. Alors là, il m'a localisé ici, le logiciel, alors que j'habite pas du tout ici. J'habite, oui, en Haute-Garonne, mais j'habite pas du tout là. Je sais pas, il a un bug, ce truc. Voilà, j'habite loin, j'habite sur un côté. Voilà. Et c'est là où j'habite à la campagne, c'est pour ça que j'ai 2 mégabits. Voilà, on va voir que là, pourquoi j'ai 2 mégabits, on va dire 2 mégabits. Ça devrait faire l'affaire. Voilà, il va monter à 58, 58, ça revient, franchement, à 2 mégabits, voilà. Alors, pour le débit descendant, on a 2 mégabits, et pour le débit montant, ça va être pire. Voilà. On a... Allez, on a... On n'est pas loin... Ouais, non, on est... Non. Non. On a... Non. Le débit descendant, on a 1,58 mégabits, oui c'est ça, parce qu'il faut monter à 99 pour avoir 2. J'ai cru qu'il fallait monter à 60. Et pour le débit montant, j'ai 0,72, voilà. Et là, on a un petit tableau qui apparaît, et sur ce petit tableau, en fait, il vous dit, voilà, le ping, le débit descendant et le débit montant, avec le graphique pour le débit descendant. Après, vous pouvez comparer, contribuer au net index. Refaire le test, nouveau serveur. Moi, il m'a hébergé, enfin, c'est Perpignan qui me mesure. Je suis hébergé par odlinux.com. Après, vous pouvez au début, ou je sais plus où, comparer vos résultats. Oui, c'est là. Et là, en fait, vous allez comparer avec le site et votre débit, oui, que vous avez acheté. Et voilà, ça vous permet de comparer un peu entre ces deux mesures et laquelle sera la moins chère ou la plus chère, voilà. Donc voilà les gens, j'espère que ma vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et aussi je vous remercie énormément pour mes 636 ou 35 abonnés, si je me souviens bien. Voilà, donc j'oublie jamais. Bon, parfois il m'arrive d'avoir un retard, mais j'oublie jamais ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Bien sûr, je m'abonne à leur chaîne parce que je les remercie, voilà, de leur part. Et surtout, n'oublie pas de vous abonner. Likez, partagez la vidéo et on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, ciao à tous.